Là, c'est quitter l'heure. Allez, hop. Hop là. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 23 février. Il est 21h02, presque à l'heure. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va, couci couça, j'ai encore des problèmes de sommeil. Rien de transant non plus. Ce soir, donc, comme annoncé, on va enfin se servir réellement de drone pour un vrai cas d'usage qui traîne depuis très longtemps. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de s'occuper de. Hop là. De. Pardon. De. Mettre en place un pipeline pour mettre à jour automatiquement l'image fraîche RSS, parce que l'image Docker de fraîche RSS, elle est mise à jour, elle est basée sur du Debian, sauf qu'elle est mise à jour que quand il publie une nouvelle version de fraîche RSS, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et du coup, ça peut arriver qu'une image ait plusieurs mois, et donc empile les problèmes de sécurité potentiels. Et donc j'avais envie de sanctuariser un petit peu ce truc-là en essayant de réduire un petit peu les failles potentielles. Et donc bah, l'idée c'est de mettre en place un truc où plutôt que bêtement utiliser l'image publique, j'utilise l'image que je mettrai à jour moi-même, donc une image custom, basée sur l'image d'origine où je fais juste la mise à jour des paquets. Je prévois pas de réutiliser le code, etc. Et on verra qu'il y a une petite particularité. Alors, ça fait un moment que j'ai pas été voir le compte sur le Docker Hub, mais pour les images ARM, ils ont un tag spécifique. Ils n'utilisent pas encore le multi-arch. Ce qui du coup oblige à tester un peu différemment ce que en local et dans un cluster comme Kubernetes, parce qu'en l'occurrence, mon cluster Kubernetes est sur des Raspberry Pi, donc de l'architecture ARM, donc c'est pas la même architecture que mon PC. Donc je peux pas juste construire l'image et la pousser pour qu'elle soit utilisée par les Raspi. Et donc et j'ai mon drone qui est en place. Alors j'ai découvert un petit truc tout à l'heure quand j'avais dit que je voulais refaire l'installation, je voulais la faire avec un compte dédié qui était censé pouvoir lire et déclencher. Et ce que je m'attendais pas, c'est qu'il y ait un problème d'effet de bord où quand je pousse un nouveau commit avec mon identité à moi, ça c'est quelque chose que j'avais pas retesté après avoir réinstallé Drone, et ben c'est qu'en fait il a pas le droit, mon compte à moi n'a pas le droit de déclencher des pipelines. C'est un petit peu bizarre. Donc du coup ce soir, ben, quand je ferai les commits, il faudra que j'aille déclencher les pipelines à la main. Bon. Pas la mort. Et en vrai, je pense que je vais construire le pipeline et on verra après comment ça se passe. Là, ce soir, ça va être juste les générations d'images. Je vais pas aborder l'étape où je vais aller mettre à jour le chart pour mettre. Enfin, c'est pas le chart d'ailleurs, c'est des manifestes maison que j'avais fait pour mettre à jour l'image, déclencher la mise à jour de l'image dans le cluster une fois que l'image est construite. Ça viendra plus tard. Ce soir, je vais vraiment me concentrer sur la partie build parce que ça va me resservir par la suite. Et comme cet après-midi, j'avais un petit peu de temps libre au boulot, je me suis servi d'un outil. Ce qui commence à faire du bruit, hein. Tout le monde a entendu parler d'outils comme ChatGPT, GitHub Copilot, etc. Et au boulot, où ils sont particulièrement. On a quand même pas mal de billes sur le sujet en termes de recherche en intelligence artificielle. On a carrément des collègues qui sont chercheurs dans le domaine. On a un outil qui a été mis en place, qui l'ont appelé Neo, en l'occurrence, un outil interne à OnePoint, et où ça utilise le service GPT par Azure. Ce que ça fait, c'est que plutôt que d'avoir un. Comme ChatGPT d'OpenAI qui est public, où tout le monde peut mettre dedans, où OpenAI enregistre tout ce qu'ils mettent dedans. Et donc si jamais vous mettez des informations un peu confidentielles, ça passe moyen.
Les versions qui sont proposées par Azure permettent de garder ces informations-là privées pour vous. Et en plus, ils viennent de nous le mettre à jour pour avoir la version la plus récente et où on peut générer des images, etc. Alors moi, pour la blague, j'ai pas voulu, enfin, pour cet après-midi, j'avais pas voulu chercher à faire des images ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même, je lui ai quand même demandé si je pouvais créer le code du pipeline drone pour construire mes images avec Kaniko. Kaniko, c'est un outil qui permet de lancer des builds d'images en mode non privilégié et à peu près partout. Le premier usage qui en a été fait, c'est sur GCP, donc c'est pour ça qu'on trouve énormément de docs sur GCP. Mais on peut l'utiliser plus ou moins n'importe où, à partir du moment où l'architecture est supportée et on arrive à lui donner toutes les informations dont il a besoin pour travailler. Une de ses particularités de Kaniko, c'est qu'une fois que l'image est déconstruite, il faut la pousser quelque part. Il ne la garde pas en local, donc ça tombe bien, puisqu'on veut la pousser, moi je veux la pousser dans le container registry du Giti, donc voilà. Donc je disais, j'ai demandé à notre version de ChatGPT, et j'ai été bluffé. J'ai été bluffé de la vitesse, je vais, et du résultat. Je vais vous montrer ça, parce que je me suis amusé, j'avais vraiment du temps libre cet après-midi. Donc j'ai eu une discussion pour gérer le code du pipeline. Et après, je me suis dit, ok, bon, je peux pas le copier-coller, le faire un print PDF, etc., pour le récupérer, pour vous le montrer ce soir. Du coup, j'ai récupéré le texte brut, et j'ai cherché à le mettre en page, un peu en mode HTML, et donc, du coup, je me suis amusé un petit peu. Alors, comme d'habitude, on va remettre le zoom. Paramètres, zoom, avant de vous montrer ça. Hop, parce que j'ai pas préparé. Hop, à 133. Voilà, comme ça, ce sera lisible pour vous, clic clic, transition, hop, voilà. Donc j'ai fait un truc basique, hein. Je lui ai posé la question, je dis voilà, peux-tu me créer un modèle de pipeline Drone CI pour la construction d'images OCI utilisant Kaniko? Hop, elle dit bien sûr, voici un exemple de modèle de pipeline. Et là, il me sort le code du pipeline, donc effectivement, hein, qui marche, mais pas partout. Donc là, alors comme la plupart du temps dans ces outils-là, que ce soit chez ChatGPT, GitHub Copilot, etc., ils vous donnent un peu l'explication du code et dire que, il faut quand même changer 2-3 trucs dedans pour que ça fonctionne. Et donc ce code-là, s'il fonctionne, il y a quand même plusieurs problèmes. Alors le problème, c'est que déjà c'est un type Docker alors qu'on est sur Kubernetes, enfin que moi je veux sur Kubernetes, mais je ne l'avais pas précisé, donc c'est normal, hein, par défaut, il a proposé un truc comme ça. Comme le plus souvent quand on déploie, enfin très souvent quand un drone CI est déployé, il est généralement déployé dans du Docker, la plupart du temps les documentations ou les tutos que vous allez trouver sera d'abord pour du déployé dans Docker. Bon, moi, c'est pas Docker, c'est Kubernetes. Ensuite, oui, voilà, c'est ça qui m'embête. Non, pas ça. Ça, c'est l'endroit où est stockée l'image du projet. Donc, en fait, le projet Kaniko fournit une image directement dans laquelle vous exécutez directement la commande et il va se débrouiller pour faire le boulot et envoyer le résultat à la fin. Et donc c'est là qu'est un peu le problème, c'est que dans ce truc-là, il propose un Google Application Credential, et la destination c'est Google Container Registry. Bon. Et du coup, bah moi j'ai dit, et si mon registre n'est pas sur GCP? Alors ça, je précise, j'ai posé la question, il a mis moins de temps à me répondre que j'ai mis à écrire la question. Hein. C'est-à-dire que ça a pris moins d'une seconde pour avoir ce résultat-là. Direct. Donc j'ai été un peu bluffé. Donc après, je dis ok, donc si mon registre n'est pas sur GCP, donc je ne veux pas stocker l'image sur GCP, donc je veux la stocker ailleurs. Et si on n'est pas sur Google Cloud Platform, donc déjà il a compris que GCP c'était Google Cloud Platform, tu utilises Kaniko avec hein, en ajustant les étapes du pipeline, donc effectivement, et donc là alors, pareil, ça marche pas complètement. Ça marche pas complètement. On est toujours sur Docker. À ce moment-là, je lui ai toujours pas dit qu'on était sur Kubernetes. Hein. Il rajoute une variable d'environnement
Alors c'est là où c'est rigolo, c'est qu'en fait ils mettent Docker config canico slash point Docker. Alors il y a potentiellement besoin de la mettre en place, cette configuration-là, mais au final, je sais pas s'il s'en sert. Je sais pas s'il s'en sert, pourquoi? Parce qu'il exécute canico-executor, donc il nous dit voilà, et à la destination, vous mettez votre registre slash votre image. Bon, ils mettent latest, je suis pas fan, mais bon, pour l'instant, on va pas s'en préoccuper. Et surtout, en fait, il met l'authentification avant. Il met l'authentification après, pardon. Il met l'authentification après la construction de l'image. Sauf qu'à ce moment-là, s'il n'a pas l'authentification, bah en fait, il peut pas la pousser l'image. Donc ça faillit le rat à ce moment-là. Bon. Après, il réexplique tout de suite, voilà, tu dois remplacer YourRegistry par ton registre d'image, YourImage par l'image, Username et Password, parce que du coup, on met le username et le password dans la configuration de Docker. C'est pas dingue, mais pourquoi pas. Et donc là, je lui dis, ok, bah moi je viens de voir deux choses. Mon drone CI, en fait, est installé dans Kubernetes et pas Docker. Et dans l'exemple, l'authentification devrait se trouver avant la commande de build. Je fais OK, merci pour cette précision. Ok, si ton drone CI est installé, tu peux ajuster le modèle de pipeline en conséquence. Et donc là, effectivement, on arrive sur un pipeline Kubernetes, pas de problème. Et donc là, il fait deux étapes. Il fait une première étape où il crée l'authentification. Et la deuxième, où. Comment? Où il exécute la truc. Donc là, il a mis deux steps différents. Plutôt que de mettre les deux commandes, je lui ai juste dit que la commande authentification, elle aurait dû se trouver avant la commande exécuteur. Hein. On n'était pas obligé de faire deux steps complets. Et en plus, je suis même pas sûr que ça fonctionne complètement, parce que si les steps dans l'exécution de Kubernetes, si c'est deux pods différents, bah, le résultat de ça risque de ne pas être passé. Au deuxième step, et donc du coup ça peut causer des soucis à l'exécution. Je l'ai pas testé, mais voilà, à la limite j'ai commencé à bricoler avant de commencer à bricoler le vrai truc. Et honnêtement, bah ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Alors je suis revenu sur mon. Comment? Je suis revenu sur mon fameux drone testing. J'ai essayé de revoir ce que je mettais comme code de pipeline. Donc à part le fait que je vais re-rajouter des choses qui sont liées à Kubernetes, service account, metadata namespace, le platform, etc. Grosso modo, ça marche. Grosso modo, ça marche, il n'y a pas de problème. Un des éléments que j'ai testé tout à l'heure aussi, je ne savais pas trop, dans le résultat du. En fait, quand on lance un pipeline, c'est pas défini, mais on a une étape de clone. Là, moi, j'ai que mon step environnement. Mais dans l'exécution du code, on a un clone qui est fait et est mis dans slash drone slash src. Et un truc où j'étais pas sûr, c'est que le slash drone slash src se retrouve dans le step en fait, dont on a besoin. Parce que si je veux construire l'image, il faut que les fichiers pour construire l'image soient présents quelque part. Donc un des éléments qu'il va falloir qu'on passe à comment? Qu'on passe à Canico et d'ailleurs que j'ai pas trop. Là typiquement le code il est un peu trop basique parce que on a la config. Par contre on n'a absolument aucun contexte. Alors il dit que le contexte c'est point, mais point on sait pas ce que c'est par défaut. Donc je vais avoir besoin, alors soit je mets slash drone slash src à cet endroit-là, et dans ce cas-là je m'emmerde pas. Il va le trouver tout seul. Soit il faut que je le définisse avant. À mon avis, je vais pas m'embêter, je mets directement slash drone src parce que c'est là qu'on va bosser. Le Dockerfile, il s'appelle Dockerfile, et la destination, voilà. La chose qu'il n'y a pas là, que je ne lui ai pas demandé après, c'est que il me fallait l'authentification pour le registre. Quoi qu'il me la met là, je dis des conneries en fait, oui. Et ça, bah du coup, il faut. Alors.
Avec les problèmes que j'ai rencontrés tout à l'heure, soit je prends l'utilisateur drone, et dans ce cas-là, les packages vont se retrouver là. Et dans ce cas-là, après, plus tard dans le cluster, il faudra que je mette un image pool secret pour aller récupérer l'image sur le compte de drone. Soit je mets mon compte à moi, mais le problème c'est que du coup, je suis obligé de continuer à jongler avec deux comptes. Mais ça m'emmerde un petit peu de foutre des credentials qui me concernent directement, enfin qui concernent directement mon compte dans la config de drone. Ça me chatouille un peu. Après, je vais bricoler un peu, c'est-à-dire que là, pour le coup, techniquement, je vais foutre la conf là. Tout ce qui va être token, bah, la conf de Docker, je vais la mettre là-dedans. Je vais pas m'embêter avec. Je vais pas m'embêter à essayer de mettre ça en dur dans du code, hein, évidemment pas. Pour ce soir, on va le faire avec drone. Avec le compte de drone. Je vais me le mettre de côté. Les cronjobs, on n'y est pas encore. Hop. Là-dedans, j'avais rien de plus à faire. Il n'y a pas de déploiement, il n'y a que du build. Donc voilà, allons pour la blague, ce truc de HTML que j'ai mis en forme rapidement. J'ai fait deux petites intégrations ultra rapides. La première, c'est Pico CSS. Qui est un micro framework CSS pour du HTML. Ultra basique, hein, c'est-à-dire que c'est intégré en une ligne et après vous n'avez plus qu'à utiliser. Ça met un style de base directement sur les balises classiques. Donc voilà, il suffit de. Alors ça, je savais pas. Tiens, c'est bien, ça change. Je l'ai fait en très très basique. Il semble que je peux le montrer. Il est où? Là, voilà. Ok, balise de base. Et après, c'est j'inclus le style sheet. J'inclus la fiche. La fiche, c'est la feuille de style Pico CSS en mode minifié. Bon, ça, c'est parce que j'ai copié-collé le truc en CDN pour aller récupérer depuis un CDN parce que j'avais la flemme de. J'avais la flemme de faire des copier-coller. L'idée, c'était d'avoir juste une page que je foutais vite fait dans mon dépôt Git, histoire de la récupérer pour ce soir. Et pour la partie coloration syntaxique, j'ai testé très très rapidement HighlightJS, qui est une bibliothèque dont on m'avait montré l'existence il y a un bout de temps déjà. C'était dans un commentaire de blog, je crois, une réponse à un tweet lié à une discussion autour des plugins WordPress, parce que j'utilisais un plugin WordPress pour la coloration syntaxique qui était plus maintenu et je commençais à serrer les fesses pour les mises à jour de WordPress à cause de ça. Et on m'avait mentionné que il y avait la possibilité d'utiliser HighlightJS. Comme c'est une bibliothèque JavaScript, en fait, le rendu il est fait dans votre navigateur de votre côté. Alors que bah, le plugin que j'utilise sur WordPress, en fait, il pré-génère la coloration côté serveur avant de vous envoyer le résultat. Bon, voilà. Et donc c'est pareil, hein, ça tient en deux lignes. On injecte enfin, trois lignes, parce une ligne pour récupérer une feuille de style avec un modèle de coloration. Un modèle de couleur, pardon, pour la coloration, le script lui-même et un petit bout de script pour l'initialiser et lui dire tu me parcours toute la page. Et après, il suffit d'avoir une balise dans une balise pré, vous mettez une balise code avec la classe qui correspond au type de langage que vous voulez.
Et après, bah, c'est magique, ça vous fait la coloration en fonction de la feuille de style que vous lui avez passée. Donc moi, j'ai récupéré le Visual Studio. Alors, il paraît que c'est Visual Studio tout court et que c'était repris dans VS Code. Moi, j'ai découvert avec les collègues qui utilisaient VS Code, cette coloration-là en bleu et orange, en mode sombre, et que j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien, en tout cas. Et du coup, voilà, ça vous fait la coloration syntaxique sur la page directement. Donc voilà, et donc j'ai mis, il m'a fallu. Alors, l'écriture de la page en elle-même, ça a pris. Allez, moins de 10 minutes. Par contre, pour trouver après les petits détails de configuration, le fait de dire. Au début, ça prenait vraiment l'intégralité de la page. Et en fait, l'idée, c'était de foutre ça dans une classe container pour avoir des marges un peu autour, etc. Le seul truc où je suis un peu dommage, et c'est pour ça que j'ai rajouté le qui pose la question et qui répond, c'est que on voit pas très très bien, je trouve, la séparation entre l'en-tête de la balise article et le corps de l'article lui-même. Donc voilà, j'avais. Mais bon. Voilà, ça a été fait grosso modo pour un mec qui fait du HTML une fois tous les ans. Du CSS, j'en parle même pas, du JavaScript encore moins, évidemment. Hein. Bout en bout, pour avoir tout visuellement fini, ça m'a pris un peu moins 3 quarts d'heure à peu près. Voilà. Alors donc, passons aux choses sérieuses. Je vais revenir, parce que pour le coup, j'ai quand même envie que ce soit avec mon compte et que ce soit moi le propriétaire. J'ai créé tout à l'heure un projet FreshRSS vide. Parce que cette fois, il ne s'agit pas de. On peut pas s'amuser avec un dépôt dans lequel il y a trop de choses. Donc, je sais que j'ai cloné un dépôt vide. Ce n'est pas grave. Alors, open folder. Hop. J'ai créé un dépôt dédié. À terme, il y aura tous les fichiers dedans. Il y aura le chart Helm, enfin pas le chart Helm, mais mes manifestes et comment? Quoique j'en ferai peut-être un chart Helm un jour, mais. Dans un premier temps, mes manifestes, et on va d'abord commencer par créer déjà. Hop, this repo contains files to deploy and build. Update images for. Alors, on va tout build and deploy peut-être, faire dans l'ordre. Alors, si, comme j'ai des gros doigts, hein, évidemment. Hop! readme.md, évidemment. Ensuite. New file. On a le Dockerfile, donc ça va être from. C'est là où il va falloir retourner sur le hub. FreshRSS. Hop. Ah, mis à jour il y a 6 jours. Est-ce qu'il y a 6 jours? Ouais, Edge c'est il y a 2 jours. Latest c'est il y a 2 mois. Ok. Ah! Donc ça y est, pour la version 1.23, ils sont passés sur du multi-arch. Enfin! Donc en fait, on va simplifier la vie du coup. Oh, ça me rassure ça. Ça me rassure, ça veut dire qu'on va pouvoir passer sur du. Ok. Donc on va pouvoir tester le 1.23. Comme ça, 1.1. On n'a plus besoin de s'emmerder. Tout
1.23. Oula. 23.1. Alors ça, là pour ce soir, quick and dirty, je mets tout en, je fais du, comment, je fais du hard coded. On va pas se mentir. L'idée, ça va être de le variabiliser parce que on va avoir besoin à un moment donné de, plutôt que de refaire un commit à chaque fois avec le. Comme après, à terme, ça va être planifié. On a vu tout, enfin, tout à l'heure, là, il y avait la notion de, dans les settings de cron job. L'idée, ça va être de l'exécuter une fois par semaine. Et en vrai, après, bah, il suffit de changer. Alors là, c'est, une, c'est un secret. Alors peut-être que je, non, peut-être que je le ferai de manière manuelle pour dire. Il y aura quand même dans le code la version, la version, ouais, je sais pas, à voir. J'avoue que je suis pas encore fixé. Pour ce soir, on va pas s'embêter. Alors, j'avais commencé manifestement dans l'ancien. Alors, en fait, j'avais, voilà, j'avais installé, j'avais collé le truc. Alors, par contre. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait des. Ah oui, dans ces rm-rf. Avec quoi, speeding up à péter machin, non ça on s'en fout. Je sais plus si ça c'est encore encore pertinent ou pas. Hop. Donc lui, il s'appelle Dockerfile. Pourquoi j'ai pas de. Syntaxe. Waouh, comment ça j'ai pas la syntaxe Docker ou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, si je fais ça. Pourquoi je find in folder? Ah oui. Ah c'est original ça. Mais comment c'est possible c'est, cette histoire? Il n'y a pas de syntaxe Dockerfile. Waouh, ok, bon, pourquoi pas. Je. Mais merde, pourquoi mon installation sous Linux est liée à cette syntaxe-là? C'est ouf. Je me souviens pas d'avoir eu besoin d'installer de Dockerfile. De syntaxe pour Dockerfile. Alors c'est la build de Windows qui fait qu'il part du principe qu'on fait pas de Docker sous Windows. Pourquoi pas?
Bon, voilà. Bon, l'idée, c'est que ça, c'est censé suffire. C'est censé suffire. Alors, ensuite, c'est là qu'on va travailler. Alors, nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'enregistrer tout de suite, puisqu'il s'appelle .drone.yml. Hein, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, hein, dans... Voilà. On enregistre. Oh, putain, alors... Hop là, pitié, merci. Hop. Alors, je récupère tout ça pour être sûr qu'on... Alors, comment il s'appelle celui-là? Donc, on a dit... Ah, j'ai pas pris la bonne version. Sérieux, là? Je vais tester vite fait avec mon drone testing de ce double step là pour voir si ça... Si ça peut vraiment, si ça peut vraiment cuire. Parce que j'avoue que j'ai un léger doute sur le... J'ai un léger doute sur le sujet, hein. On va pas se mentir. Pourquoi il me met tout comme ça, lui? View. Syntaxe, non, pourtant il me met... c'est bien du YAML, mais pourquoi il me l'affiche comme ça? Ah oui, non, d'accord. Donc c'est les couleurs que j'ai utilisées qui sont... C'est quoi, Color Scheme? Dark Plus. VS Code plus Scheme. Ok. Bon, c'est un peu chelou. C'est très bizarre. Bref. Hop, on n'est pas là pour niaiser. Donc ça sert plus à rien. On verra plus tard. Alors. De quoi donc on a besoin? On a besoin, on va revenir. Alors non, c'est pas la bonne fenêtre. Bon, en vrai, je vais la fermer parce qu'on n'a plus besoin. Hop. Alors. On va l'appeler. C'est donc un fresh RSS update. Bon, et comme ça. Image update, ouais. On verra bien. Le service account, c'est drone. Le meta namespace, c'est drone. Le step authenticate registry, d'accord. Donc il nous dit, voilà, autre registry. Ah oui, alors c'est là où ça commence à être un peu... C'est là où c'est un peu compliqué. Allez, on va mettre drone. Par contre, pour le password, et c'est là où c'est compliqué, est-ce que je peux mettre un secret drone registry password de point de l'art drone registry password. Je peux éventuellement vérifier dans la doc de drone, hein, drone use secret. Alors pouf pouf, on va regarder vite fait. C'est quoi per repository? Secret, on crée un secret là avec la valeur, ok, et ensuite on fait quoi? Password. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est un peu plus, un peu moins embêtant, enfin, un peu moins embêtant. From secret de point et là, on va le mettre en minuscule, hein, drone registry
Hop. Password. Donc après là-dedans, il utilise le dollar. Donc c'est bien ça. Donc ensuite, je vais faire ça. Et donc là, je vais mettre dollar de draw de registry password, puisque c'est comme ça que je vais le faire. Le contexte, on a dit que c'était slash drone slash src. Le registry. Alors c'est là où ça commence à être un peu. Et c'est pour ça que je l'aurais bien variabilisé, mais c'est pas grave. Hop. Comme on dit, pour un premier essai, OVH slash. Et alors c'est là où je vais être obligé de le faire comme ça. Et si j'essaye de pousser dans le cboss 666, il va pas aimer. Drone fresh rss-updated 2.1.23.1. Donc voilà. On va le faire comme ça. Je vais quand même vérifier. En faisant un truc comme ça, en mettant deux steps avec deux images, même si je mets. Ah ouais, parce que là en plus il faut. Non, j'ai la même image à chaque fois. Faut que je vérifie s'il est capable de me copier le contenu. On va mettre custom contente. Hein. Image Debian 2.12-slim. Commande. Echo. Coucou. Je comme ça. Hein. Echo. Ouais, c'est ça. Coucou. Supérieur à. Ah. Slash home slash coup.txt et on va rajouter une ligne là, on va faire un cat slash home slash coup.txt histoire de voir si ça cuit. Preview changes, donc là on rajoute un step. Et derrière, je lui dis affiche-moi le contenu. Ok. Test. Multi-step. Je commit change et normalement, je vais le voir directement. Ah, il est là. Donc là, il fait le même clone, machin. Là, il me fait le écho. Coucou. Home coucou, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, le code qui m'a filé, voilà, ne fonctionne pas comme il faut. Le code qui m'a filé ne fonctionne pas comme il faut parce que entre les steps, on ne peut pas réutiliser comme ça le. Alors, je serais curieux de savoir comment je pourrais faire. Parce que en vrai, le fait de faire un step dédié pour ça. C'est intéressant, mais faudrait qu'il y ait quoi? Une sorte d'artefact pour réutiliser pendant les steps? Ou alors je fous directement l'authentification dans la commande, je la mets directement là. Hein. C'est valable aussi. Et dans ce cas-là, je reprends la partie environnement avec le registry password. On va regarder vite fait si je peux. Dans les overview, Kubernetes pipeline. Mais en vrai, c'est. Pipeline steps, c'est ça. Steps are defined, ok.
B, commands override the Docker entry points, ça va bien, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, l'environnement, on est d'accord. Ensuite, le notify, bon, ça, on s'en fout. Tiens, plugin registry, donc en fait, on pourra avoir des notifications. Il y a beaucoup trop de plugins là dans l'histoire. Les notifications qui vont m'intéresser éventuellement, ça va être quoi? Ça va être oui. Notify, donc ça c'est pour un comment? Un système de notification mobile auto-hébergeable. Et Telegram. D'accord, ok. Donc en fait, intéressant. Intéressant, intéressant, je note, je note, je note. Je note très fort, il y a du plugin Rocket Chat si on veut avoir un Slack-like, un slash Discord-like peut-être, ouais, je sais pas si on pourrait appeler ça vraiment une alternative à Discord, mais bon, bref. Ok, c'est pas ce que je voulais. Alors, le détache, c'est quoi? Détache, let's execute pipeline step in the background. Donc, non, ça, c'est pas ça. Le privilège mode, je m'en fous, j'en veux pas, c'est le but du jeu. Resources, resources, c'est quoi? Non, ça, c'est pour bloquer les ressources. On n'en a pas besoin pour l'instant. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Le workspace slash drone slash src, ok, donc là jusque là on est bon. Parallélisme on s'en fout, les conditions on s'en fout. Ce qui m'intéresse c'est la réutilisation d'objets entre les steps. Alors drone use result between steps. Est-ce que ça va être un truc comme ça, step, machin. Drone CI, on va mettre comme ça, parce que sinon... Plugin, prerequisite, bon là ça va être la même chose. Build, deploy, notify. Pour l'instant on va être juste en build. Continuous machin, donc là il met tous les trucs. Ok, ouais, bon, enfin, non, ça c'est pas intéressant. Type send axe, on a quoi? Conditionnel pipeline exécution, donc ça. Ça, j'exclus pas de l'utiliser à terme. Ensuite, on a quoi? Parallèle machin, non ça on s'en fout, secret management. Il date de quand l'article? Parce que la syntaxe c'est pas la même là. 17 septembre 2023. C'est pas la même syntaxe que dans la doc. C'est original ça. Source target, ouais. Custom plugin caching. Ah. Donc faudrait mettre un volume. Si je mets le volume, ça marche, a priori. Ça, je l'ai jamais testé. Alors, je peux le tester. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, je fais ça. Et alors, raté, parce que du coup, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, ce serait dans slash canico. Slash point docker. Et dans ce cas-là, on remettrait la même chose là, et donc il est censé réutiliser le même volume. Alors c'est between builds. Aïe.
On va bien voir comment ça se passe. Le problème, c'est qu'on est dans Kubernetes, hein, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Mais bon. On va partir du principe que ça va marcher, hein. Bah on va le tester du coup, pareil, on va le retester dans notre drone testing. Je suis con, j'ai le bac à sable qui est là pour ça, parce que lui, je sais qu'il marche. Si je mets, du coup, c'est là, volume de points slash home. Et je prends ça et je le reprends là. Test volume between steps. On va faire ça. On commit les changements et là on va voir le dégât. Oh là là, il a pas aimé. Cannot and Marshall volume mount link 28. Slash home into YAML. Ah. Il a pas aimé la syntaxe. Pourquoi? Ça marche pas? Marche pas de le faire comme ça, ou alors j'ai fait une volume slash home. Volume slash home. Ben. Alors, volume, host volume. Non, temporary volume, on va le faire comme ça. Là, ça parle de Docker. Si je mets Kubernetes à la place, il va pas aimer, je crois. Oh merde, si. Ok, donc ça a l'air de passer comme ça. Ok, donc il faut faire un tiret name et un pass. Donc, attends, les syntaxes sont complètement pété dans l'article. Hein. Volume. Donc ça va être. Hop. Alors non, ça c'est pas encore là. Edit. Alors, il est comme ça. Pardon. Hop, je regardais vite fait un truc. On va plus monter la luminosité un petit peu sur le. Et le laptop. Donc qui s'appelle name 2.home. C'est pass, c'est ça. On va appeler comme ça. Pass, c'est ça. Et à la fin, il faut que je crée un volume à la racine du truc en mettant temporary. Et si on veut le faire en mode mémoire, ok. Ok. Bon. Ça, on va vérifier la syntaxe. Et du coup, on refait la même. Donc là, la doc, elle dit. Name cache temp. Ok. Voilà. Et donc lui, il s'appelle Home. Alors, je le fais exprès. Hop. Fixe volume syntaxe. Commit changes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il nous dit que ça a l'air de passer un peu mieux. Et là, c'est passé. Ok, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà, je m'en doutais hein, qu'on allait trouver volume-name 2 points config passe hop, ça pouf, et là, on fait ça. Et donc, on a dit syntaxe parce que name, ok.
Docker config. Temp, deux points, et mets un truc vierge, et on s'en balèque. Alors je vais quand même regarder un truc côté cube. J'ai du release sur Trefic où il faut que je fasse le ménage, d'accord. NFS, NFS, NFS. J'ai un PVC sur drone, mais c'est pour les données de drone lui-même. Donc j'ai pas de volume côté cube. Donc ça veut dire qu'en fait il doit utiliser de l'mtdir. Vu que je le mets en mode temp, il doit utiliser du mtdir au niveau des. Au niveau des pods. Ou alors en fait tous les steps sont exécutés dans le même runner. Mais ce qui est bizarre, c'est que il les voit pas les données. Donc c'est bien que c'est exécuté dans deux trucs différents. Ah, sauf s'il fait un seul pod et qu'après dans le pod il y a les. Ah mais je suis con, mais oui, ça doit être ça. C'est qu'en fait il doit lancer qu'un seul pod et après il y a un container par job. Je vais essayer. Est-ce que je peux le relancer ce truc là pour essayer de voir? Ouais. Alors, on va passer par K9S. Hein. Lui, généralement, il va nous permettre d'être un peu plus réactif. Je fais un restart. Eh ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, on a le truc de Git. Ensuite, on a les deux jobs en Debian 12. Ok, ouais. Ok, ok, donc je comprends mieux. Oh oui, bah du coup, ça simplifie beaucoup la vie. Alors par contre, l'mtdir, il faut faire attention, parce que du coup, ça utilise le volume. Alors, première chose, c'est que du coup, ça veut dire que quand on exécute un job, il s'exécute dans un seul pod. Donc c'est forcément sur un seul nœud. Donc, ça, c'est un truc à savoir, c'est un bon truc à savoir. Et donc ça veut dire que si vous avez plusieurs jobs à faire et que vous avez besoin de paralléliser les ressources, c'est pas du coup vous avez que les ressources d'un seul de vos nœuds et pas tous les nœuds pour un même job, hein. Pour un même pipeline. Et et du coup ça veut dire aussi que que ça utilise le stockage local du nœud à moins de mettre le médium en mémoire, hein. Donc si vous savez que vous allez manipuler des petites données comme là, ça va être mon cas, je pourrais le mettre en mémoire. Parce que là, j'avoue qu'en fait, ça veut dire que ça va faire une écriture de plus sur le stockage. Et parfois, on peut s'en passer. Clairement, je suis pas en saturation de mémoire. Je pourrais clairement le faire, le mettre en mode memory. Parce que c'est juste une authentification de Docker, hein, donc on s'en balèque, en fait. Ok, donc du coup, ça c'est très bon à savoir. On en est où? On en est là, j'ai corrigé la syntaxe de tout ça. Fresh RSS update, machin, etc. Donc là, a priori, on est bon. La seule chose qui va me manquer, ça va être le drone registry password. Et en fait, c'est le compte de. C'est le mot de passe du compte de drone, hein, que je vais utiliser pour ce soir. Et celui-là, il est dans le coffre-fort, et du coup, je vais le mettre à part. Alors, on va déjà pousser tout le contenu dans le dépôt. On va commencer. Faisons les choses dans l'ordre, pitié. J'avais déjà un drone à côté, bon, c'est pas grave. Hop, on a le Dockerfile, le README. Il me l'a mis où le fichier, je l'ai enregistré le. Le point drone YAML, il est là. Donc dans le guide status, on a bien trois fichiers. Je vais pas m'emmerder avec le Docker ignore, parce qu'en plus il servira à rien, je crois. Et je vais pas m'emmerder non plus avec. Un git ignore parce qu'il n'y en a pas besoin là tout de suite. Là j'ai qu'un plus donc il a pris les 3. Ok. Ah merde, je. Hop là. Pouf. Commit-m. First try. Ce qui n'est pas vrai, hein, mais bon. Hop, alors poussons ça. Donc du coup, là maintenant, on a notre code. On a notre code, parfait. Alors, ensuite, dans les settings, il faut que je rajoute, dans les collaborateurs, il faut que je rajoute drone. Hop.
Et il est. Je crois qu'il faut le mettre en administrateur parce qu'il modifie les paramètres pour aller configurer le webhook. Et donc en fait, ouais, le problème que j'ai eu, c'est que la configuration du. Dans la configuration du webhook, il passe l'identité du compte qui a fait le commit. Et du coup, Drone essaye d'utiliser cette identité-là pour récupérer les contenus et y a un problème qui passe pas du coup. Parce qu'il y a pas. Il essaye de mixer un peu les deux identités là, parce que j'ai compris. Donc on sent que c'est pas ultra frais, il y a des choses où j'aurais besoin de revoir ça. Ou de... Voilà, j'ai dû merder quelque chose. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Bref. Alors, on va virer les actives, on va faire un sync. Comme ça, normalement, je suis censé voir un deuxième dépôt. Ah. Attends, j'ai enregistré, il est bien en... Ah mais non, j'ai coché active. Oh, punaise, bon. Activate repository. Alors, il a activé le repository. Ok. Ça se traduit par... On a un webhook avec un secret à la con, je sais pas pourquoi, comment, enfin bref. Voilà, il rajoute un secret là-dedans, avec toutes les configurations par défaut. Ok, bon. Ça c'est fait et ça veut dire qu'il a créé le truc. Ensuite, secret. On va rajouter un secret. Ah oui, alors c'est là où en fait, je vais dupliquer l'onglet. Je vais mettre ça à côté. Il va me falloir aussi. Hop, le coffre-fort. Donc on va l'appeler. On a dit. Il s'appelle drone registry password. Et la valeur, hop, je la copie-colle, je fais create, voilà, hop. Ah mais alors du coup, metadata. La partie secrète, elle est. On la gère comment du coup? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Plateforme, machin, trigger, non. C'est pas le truc trigger que je voulais voir non plus. Donc ça, je le ferme. Hop, ça, je le ferme. Ensuite. Oh oui, tiens, j'avais pas vu en fait. J'ai du nouveau follower. J'ai toujours pas l'alerte. Hein. Ah, Le truc, c'est que j'oublie aussi ça, qu'à chaque fois que le live est fini, je suis censé avoir configuré un petit widget d'alerte Twitch qui sont censés nous fournir en mode intégré, etc. Et je l'ai mis en place pour les followers et le truc fonctionne pas. Donc, et en fait, j'ai trois nouveaux followers depuis la dernière fois où il y avait Christophe qui m'avait dit « Je te surveille », histoire de bien me mettre la pression. Donc on a Tetsuo 1327, oh la vache, ok. On a un Xavier G
qui nous fait un peu de lead speak parce qu'il a remplacé les trois quarts de ses voyelles par des chiffres. Et Jack89, merci. Du coup, ah oui, non, la syntaxe que j'avais pris, c'était ça. Pour les secrets, ensuite, là on a ça, là on a ça, on a ça. Là on est dans les settings, donc maintenant j'ai un secret qui c'est Drone Registry Password. C'est bien ce que j'avais mis, Drone Registry Password, parfait. Et donc normalement là, on est censé avoir un truc qui fonctionne. Ensuite, je lui dis l'image drone fresh RSS updated là-dedans. Bon, bah en vrai, hein, en vrai, j'ai envie de dire, let's go. Hein. Secret, il est là, le build, il est là. New build, la branche, c'est main. Il n'y a pas besoin de clé. Alors, boum! Qu'est-ce qu'on a? Moonpass, required volume, required volume, required value. Ouf. Ouais, mais le problème, c'est que le pod est mort, donc... Il y a eu un problème avec la configuration du pod sur la configuration du volume. Intéressant, ça. Je me suis vautré quelque part. Parce que là, je lui ai dit, le volume, c'est Docker config. Le chemin, c'est slash canico slash point docker. Et là, il nous dit le moonpass required value. Ça y est, les emmerdes commencent. C'est-à-dire que tu fais un truc simple, ça marche. Alors, elle dit quoi, la doc de Canico officielle là-dessus? Parce qu'il y a peut-être un délire aussi par rapport à l'utilisation des volumes. Qu'est-ce que j'avais regardé? Alors, ça date un petit peu, 2019. Là, c'est le déploiement de... Ok, drone secret. Pipeline, plugin repo, plugin cache. C'est Canico Builder, donc ça, c'est un truc qu'il a fait lui-même. Donc ça va pas être ça. Bon. Alors. Là pour le coup, la partie du... Je dis temporary volume. Ok, peut-être qu'est-ce qui lui plaît pas? C'est-à-dire que ça n'existe pas.
problème, c'est qu'il faudrait que j'ai le temps de... Comment je débug cette histoire? Non, ça non. Cet alias. En fait, j'aimerais bien qu'il me laisse le pod le temps de vérifier sa config. Parce que s'il gueule, ça veut dire qu'il lui manque un truc. Et comme c'est la première étape où ça merde. Ouais, c'est ça. Pour lui, il y a deux conteneurs où il n'y a pas de volume déclaré et ça lui plaît pas. Mais moi, je définis que deux steps. Deux steps où je déclare le volume en plus. Ah, le con. J'écris très mal. Je vous jure, hein. Putain, mais paye ton boulet en fait. Ok. Bon, l'avantage c'est que là, normalement, je fais un commit et ça cuit quoi. Hop, git add. Alors, on peut faire un git diff déjà, quand même, histoire d'être sûr. Ouais, c'est ça. Git add. Hop, drone YAML, git commit-m. X, volume syntaxe. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, et là, il passe l'étape et il passe au clone. Ok. Et donc, côté cube. Ok, le authenticate registry. Bon, là, et comme il faut qu'il pull l'image de Kaniko, ça peut être un peu long. Ça c'est le clone. Quoi que j'ai un placeholder là? Drone placeholder. Il a pas trouvé l'image, c'est ça? Pourquoi il n'a pas trouvé l'image? Là il a planté. Alors pourquoi il a planté? Exit code 128. Hop. Oh, c'est vachement pratique ça. J'avoue, le fait qu'on garde pas le pote quand il est mort, c'est compliqué ça. Hein. Et comme j'ai pas encore d'outils avec les logs, les events et tout le tintouin. Alors je peux regarder les events récents. On dira. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, 63 secondes, failed. Ah. Fail to create OCI runtime run C enable to start container process bin sh no such file or directory unknown. Qui cherche à faire un bin sh. Non, pourtant là, il a bien pull l'image. Alors pourquoi? Ah, c'est là où c'est très bizarre, c'est que du coup là-dedans, dans le authenticate with registry, je suis censé utiliser le truc. C'est quand même pas dingue hein, cette histoire de est-ce que je peux faire un truc en mode debug, disable pull request, machin, etc. Non, il y a quoi? Il n'y a pas. C'est un private repository, on s'en fout.
Non, ça c'est au niveau de l'organisation, j'en ai pas. D'accord, il n'y a pas de... Non. Attends, il a l'air d'avoir un nom un peu chelou. On dirait vraiment un truc qui a été créé. Le drone placeholder, là, il m'emmerde un peu parce que ce truc-là, on n'est pas censé l'avoir comme ça. Pas censé être un placeholder, j'ai mis de l'image partout. Là, on voit que le container c'est TA192 machin, donc ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui démarre. Là, c'est le VY machin. Là, c'est le TA machin. On a le Creative en même temps que le. D'accord. Ensuite, on a le Hobby machin. Là, c'est l'image drone guide, donc là, on a le truc. Definition change will be restarted. Et donc là, il nous dit qu'il n'y a pas d'attache sur le VY machin. Donc c'est au moment où il fait le écho machin où ça marche pas. Parce qu'on peut peut-être pas le faire comme ça. Est-ce que j'avais gardé le lien du dépôt Canico? Non. Canico sur GitHub. Canico action, on s'en fout. Enlève-moi le GitHub action, on se balaye. Alors, Google Container Tool Canico. Hop. Alors, pourquoi? Dockerfile machin. Ok, overrides, on s'en fout. D'accord. Ah oui, donc en fait, l'image de Canico. Ah ouais, donc ça marche pas non plus en fait. D'accord. Alors comment je fais du coup? Comment je fais pour gérer la configuration? Donc là il m'emmerde parce qu'il parle que de gcloud. Donc en fait il faudrait que je mette le contenu complet. Dans la variable et que j'utilise le contenu du secret en tant que volume.
Ah. Ah mais je suis con, j'ai pas besoin de l'icône de l'image ici là. J'ai pas besoin de ça comme image en fait. Je m'en bats les couilles, j'ai juste besoin d'un truc ultra rapide. J'ai juste besoin d'un truc ultra rapide en fait. Donc je peux juste prendre genre une image alpine à la con. Parce que je fais juste un écho, j'ai pas besoin de l'image. J'ai même pas besoin de la variable d'environnement à cet endroit-là, parce que de toute façon, je mets le chemin endurant là. Ouais, je m'en balèque en fait. Je prends l'image Alpine Latest, pourquoi pas? Puisque là derrière, après, il suffit d'exécuter le. Oui, ok. Alors, git status, git add drone.yaml, git commit -m use light image for authentication. Ah oui, pardon. Hop, c'est reparti. Partie clone était passée, le authenticate with registry, echo machin, le password est vide. Le password est vide, le build and push, lui, il n'est pas passé. Alors, est-ce qu'on va avoir le même délire? Et dans ce cas-là, il faut que je revoie la partie. Ça ne marche pas. Non, c'est là, c'est là. 30 secondes, fail. Et c'est la même. J'essaye de me faire un slash bin slash sh. Parce que l'image Kaniko, en fait, elle. Ah. Ah ouais, en fait, il passe directement les options dans le truc, il n'exécute même pas le. Oh. Sérieux? Pourquoi il essaye de me faire ça? Alors faudrait utiliser un plugin direct. Il
Il y a un plugin Kaniko. En vrai, on pourrait utiliser directement image plugin slash Kaniko plutôt que de faire un truc ultra custom. Le truc, c'est que les username password. Là, ils mettent secret recommended, oui, d'accord, mais du coup, on fait comment? Ouais, ça c'est du. Alors. On a le code machin. Ça c'est pour builder. Ça c'est pour le manual tag. On s'emballe. Alors, plugin password. Comment je fais pour lui passer le. Ouais, ça je suis d'accord. Et si je veux lui passer le contenu d'un secret. On va réécrire complètement. Si on peut se faire directement tout en une seule étape, je vais pas m'emmerder, mais on a quand même besoin de. Faire comme ça. Quelle heure il est là? 22h24. Huche! Comment ça filait du coup? Alors. Évidemment. Passer comme ça, on verra ce que c'est. Le repo, c'est celui-là. Le contexte, il dit que c'est le git repo root. Donc, a priori, normalement, le git repo root, c'est slash drone slash src. Donc, c'est censé être bon, ça. Le target. Non, alors, attends, le repo, c'est quoi? Repo foo slash bar. Attends, c'est quoi? Repo name for the image. Ouais, et bah, target. The build target to use must be defined in the Dockerfile. Ça, c'est balèque, ça. Les builds args, on n'en a pas. Puisque le Dockerfile, on prend celui par défaut, il le met. Ouais, c'est le destination qu'on a réglé en fait. Il pourrait utiliser les bons. Dockerfile s'appelle Dockerfile, ça en est bon. Ah, le tag. Oui, alors du coup. C'est ça, 1.23.1. Hop, voilà. Et pas complètement sur mon coup là. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Hein.
Donc sur le papier, pas besoin de volume. Ah, merde, ce que ça dit. Alors ça, c'est la doc du plugin. Je sais pas s'il va fonctionner. Hein. On va voir, hein, de toute façon, puis à ça près. Là, je m'attendais pas à galérer autant, ça me saoule, cette histoire. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas le temps de récupérer le... Faudrait que je fasse un truc ultra rapide pour récupérer la définition du pod pour voir ce qui tente de faire pour le pourquoi je me prends l'erreur. Bon, on verra bien. On va tester ça d'abord. Et hop. Error. Qu'est-ce qu'il a? Error image pool. Docker.io plugin Canico pool access denied. Insufficience machin, repository does not exist. Des génial, donc si ça se trouve l'image elle fonctionne pas. Est-ce que c'est plugin avec un S? Je suis un connard. Et puis surtout, c'est pas complet ça en fait. Oh, d'accord. Bon, ça a l'air un bordel, ça. Ah, drone, hop, non, ça peut être ça. Non, c'est là-dedans, voilà. Hub Docker. Plugin slash Canico. D'accord, ok. Et donc là, on a les tags. AMD 64, ARM 64, d'accord. Et on a un 1.8.8 là. Donc si je prends le latest. Le latest, c'est quoi? 8 machin. Wow, ça correspond à quoi? Si je prends le temps. Le latest, c'est 8B machin. Linux ARM 64, d'accord, ok. Bon bah il prend la latest, ok, bon, c'est juste que je... Je suis allé trop vite, j'ai fait de la merde. Il va vraiment falloir que j'aille. C'est juste pas possible. Je vais te faire ça un vendredi soir en fin de semaine quand j'ai pas... quand je suis complètement explosé. C'est vraiment pas forcément le... Et hop, on recommence. Euh,
bah oui, mais lui, du coup, il passera pas. Clac. 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 Password must be specified. Donc il a pas aimé le fait que je lui passe en variable. Ça fait chier. Alors, drone canico. Il n'y a pas de. Y a... On peut pas déclarer d'issue. C'est un bonheur. Là-dedans, donc on aurait un délire avec le dans les variables, on aurait un truc sur le password. J'aimerais bien. Bon, là, de toute façon, il a gueulé directement parce que c'est marqué password. Ok, must be specified dans fatal. C'est ce qui me faisait peur, hein. C'est que. J'adore, c'est la doc du plugin dit secret recommended. Et là, bon, bah. Ils sont gentils, mais. Oui, d'accord, mais. Alors, créé par repository, mais après, le secret, il est là, mais si on peut pas utiliser le secret directement dans le truc. Donc, je sais pas, moi, c'est un peu. Ou alors ce serait directement comme ça, copie, et après on le met. From secret Docker password, un truc comme ça. Un drone registry password. Ce serait génial hein, si ça marchait comme ça, mais j'y crois moyen. Ah, c'est vraiment fou l'expérimentation. Hein. Oh, ça marche. Alors non, ça marche peut-être pas. Create push check transfer. Oula. Oula. Ouh, il a pas aimé. Pop repository. Non, il a pas aimé le push. Alors. Ouais, le contexte, il est pas bon. Le contexte, il est pas bon. Encore que, parce que le digest file, il nous dit canico, digest file, error checking, push permission, make sure you enter, correct tag name. Ok. Repository, hop, machin. Container registry unauthorized. Le compte drone n'aurait pas le droit d'aller pousser des images. De...
C'est où? Admin settings, identity access, user account. Drone. Ah oh! En restricted. Ah, mais si ça se trouve, je suis un petit peu. Configuration. Non, ça sonne bien, machin. Organisation, user email. Oui, ça, ça marche pas. Authentication sources, il n'y en a pas, c'est que du local account. Un drone, ok, maximum number of repositories. Create org, non. Is administrator, non. Is restricted. Est-ce que le c'est le restricted qui fout la grouille? Action, non, rien n'a pas. Runner, machin, on n'y est pas encore. Ça, c'est autre chose. Le time de 3 heures, parce que je l'ai mis tout à l'heure. Code asset en ça. Ok, donc je vais tenter une authentification. Je vais tenter un truc un peu dégueulasse. Hein. Docker login .cboss666.ovh. Vous le voyez pas hein, parce que j'essaye de le faire à partir de hop. Avec les credentials de drone. Et j'ai pas non plus envie. Login succeeded, hein. Pourtant. Alors. Docker Edge LS. Hop, Docker tag nginx 2.stable, parce que j'ai ça qui traîne. Docker git. cboss666.vh/drone/nginx2.stable. Hop. Docker push. Bon, alors j'ai un souci. Un souci parce que pousser une image ça marche avec l'authentification, donc il y a un délire avec la façon dont il s'en sert. C'est intéressant parce qu'il nous remet toutes les layers de l'image hein, sous les yeux. Donc le compte drone a le droit de pousser, donc c'est pas un problème d'authentification. Image is being used by stop container, bon c'est pas vrai. Hop. Il y a
Là, il me dit qu'il a retéléchargé l'image. Donc j'ai le droit de faire du push-pull, et là, il me dit qu'il n'a pas le droit. C'est relou. C'est ultra relou. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'il fait exactement le plugin en fait. Hein. Et par rapport au. Alors, il récupère tout ça, registrie, machin. Oui. On va quand même encore avoir le droit à un petit fail ce soir, ça fout les boules, hein. Je sens que je suis pas loin, mais. Le contexte, par défaut, c'est point, d'accord. Sauf que le point, il est pas monté comme il faut, et je pense que. Que là, normalement, ça devrait être drone slash. SRC, et en fait, il n'y en a pas, ouais. Comment? Ah ouais, c'est ça, on peut faire un from secret sur les contenus. D'accord. Ok, donc ça me va. Sauf que quand on fait ça, ça fonctionne pas. Enfin, il me gueule dessus pour me dire que... Alors j'ai fait une erreur dans le Dockerfile. J'ai fait une boulette dans le Dockerfile et en fait c'est pas le bon repo. Alors c'est le repo ou la target, c'est ça qui me. Non, parce qu'a priori le repository il est obligatoire. Le repository c'est celui-là. Ça marche. Ça marche parce que je viens de le faire. C'est-à-dire que je vais recommencer, hein. Je vais éclater. Alors, je vais faire ça. J'arrive pas à voir mais comment je peux explorer. Ah, il y a. Mais alors, je vois pas les packages. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si, ça y est, ok. Ah bah non, c'est ça. Non, c'est... Il faudra que j'enlève ça. Tu fous la grouille. Je vais rajouter le bon contexte parce que déjà ça me elle est où la doc du truc
Ouais, ça c'est le truc de base. Ah non, c'est ça, hein. Le repos, c'est le chemin de l'image, donc on est bien là. On est bien. C'est la liste d'états qui lui plaît pas. C'est quoi ça? Non, ça c'est du coup la gestion des secrets. Non, mais c'est pas le repo, c'est le registre. Ah oui, c'est registré. Je sais pas pourquoi il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça comme ça. Si on reprend le code du truc. Dans Canico Docker, dans main. Ah ouais, c'est ça. Et ça se trouve, la connerie qu'il m'a fait, c'est d'essayer de s'enregistrer. Ben non, pourtant, il essaye de faire un git.machin v2 token. Donc non, il est bon déjà en fait. C'est là que je comprends pas. Repos... Ah! Au niveau du scope, mais oui, mais ce truc-là, il n'existe pas du coup. Ce truc-là, il n'existe pas, et si jamais j'essaye de faire ça va pas passer mieux. Oh là, il y a un délire là. Il cherche un truc au niveau du repo directement, sauf que moi, je suis authentifié au niveau du registry complet. Parce que ça n'existe pas encore. Faudrait que je le fasse comme ça, registrer git.machin. Et que je tente pas de. Le problème, c'est que dans le code, le registry, il a une autre gueule, hein. C'est des trucs avec slash v2, etc. Là, il prend par défaut la valeur de v1 registry URL, en fait. Non, il faudrait mettre registry slash v2, un truc comme ça. Si on reprend les trucs, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et du coup, il faudrait mettre https 2. slash slash. Truc dans ce genre-là. Et ça fait déjà quasiment 2 heures. Finir sur un demi-fail. Oh, ah, le cul! Hop, je vais fermer ça. Voilà.
Oh! 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 Déconnez pas. Là, il est en train de faire le il est en train de me faire le APT APT update, APT upgrade. Oh, la violence. Et du coup, hein, on voit les tags, hein. Les images, elles ont été faites 1.23.1, elles ont été faites il y a 2 mois. Et donc du coup, bah, c'est un peu galère. Hop, alors là, ça cligne, push, pile. Oui! On va éviter de réveiller les voisins. Ah, punaise! Yes! Yes de yes! Bon là manifestement, oui non bah en fait il a repris tous les trucs d'origine de l'image. Parce que je n'ai rien changé d'autre, hein, en dehors de faire la mise à jour et de supprimer les trucs. Tout le reste, la commande, les expose, les entry points, tout ça, ça n'a rien. J'ai juste rajouté ça par-dessus, moi. Donc incroyable. Et ben la première étape est terminée. Et ben, dis donc, ça aurait été compliqué cette histoire. Tout ça pour un truc qui a failli être simple. En l'occurrence, là, ça pouvait pas l'être parce que, a priori, l'image. L'image Canico est beaucoup trop restreinte pour ce qu'il essayait de faire au niveau du code du pipeline. Donc du coup, bah, ce que m'a fourni ChatGPT, c'est con, c'était un peu élégant, c'était intéressant parce que du coup, là, ce soir, ça nous a permis d'apprendre qu'on pouvait passer par des volumes pour se partager des morceaux de changement entre différents steps si on voulait faire un peu des étapes intermédiaires de choses qu'on ne voulait pas garder dans l'image de fin. Ou dans le job de fin, enfin voilà. On a appris quelques petits trucs. Ouh, je vous cache pas que je commençais à croire que ça allait être un échec total là, ce soir. Et je pensais que ça pourrait être rapide, et puis finalement ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais là, au tout dernier moment, on est quand même arrivé au bout du truc. Je suis content. Je suis très content. Faudra quand même à un moment donné que je regarde s'il n'y a pas moyen de débug autrement qu'en faisant. Là, dans une partie du débug qu'on a pu faire, cracher des erreurs parce que au niveau de cube. Et je pense qu'en fait, il aurait fallu. Il aurait fallu juste. Ouais, je. Non. Honnêtement. Il y avait potentiellement moyen avec le code d'origine qui nous a filé d'arriver à faire quelque chose, mais. L'image, elle est tellement. L'image de Canico, elle est tellement serrée de chez serrée qu'au final. Le fait d'avoir ce plugin, c'est pas si mal finalement, parce que du coup, voilà, je. J'ai la conf qui permet de builder une image. Là, en l'occurrence, ça va être pour la. Pour mettre à jour une image existante, mais.
suis pas mécontent parce que tout ça fonctionne. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai remis registry en mettant le lien vers le slash v2, ou si c'est parce que j'ai viré la variable d'environnement. Bon. C'est passé. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Je suis pas mécontent. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Unpacking route fs as cmd run. Ah oui, d'accord. Oui, c'est juste parce que j'ai lancé la commande pour dire coucou. Ouf. Et du coup, alors, elle fait combien cette image-là? Elle fait quelle taille? Alors ça, déjà, le Nginx table. Delete package. Merci. Hop. Fresh RSS. Elle fait 100 mégas. Ok. Ok, ok. Bon. Eh ben, ma foi. Sur ce. Alors, ça, c'est une première étape. Mais du coup, soit je me sauce suffisamment et la semaine prochaine, on s'occupe de refaire la partie déploiement et de mettre à jour. De comment on fait pour mettre à jour l'image dans les manifestes. Une fois que l'image elle a été rebuildée. Ça voudra dire qu'il faudra faire quelque chose de... Alors, soit on est bourrin... Il y a plusieurs méthodes, je vais me les noter de côté, je pense. On a le choix, on a l'option... On retague la même image, enfin, on réutilise le même tag, et côté cube, on change le déploiement pour dire le image pool policy c'est always, donc tu repoules l'image à chaque fois, et donc on force un rollout restart. Tout simple. C'est pas fou, mais pourquoi pas. On a l'option, on change le tag, et dans ce cas-là, il faut être capable de manipuler le dépôt pour pouvoir mettre à jour. Alors, c'est là où, généralement, on foutra plutôt le hash de l'image en guise de tag, plutôt que... Ou alors on fera un tag -1, -2, -3. Enfin voilà, on essaiera de faire une incrémentation ou ce genre de conneries. J'ai pas encore l'idée précise de ce que ça va prendre. Sinon, je mets ça de côté pour finir plus tard. Et la semaine prochaine, on parle de ce que je voulais. Du sujet dont je voulais parler au départ. Qui était. Alors, je n'ai pas pris le truc. Je l'ai réécrit dans Joplin parce qu'au départ je pensais l'avoir et au final c'est Trago. Alors, oula. Bien, merci. Trago, c'est quoi? Il y a quelques années sur le blog, j'avais eu l'occasion de parler d'un outil en ligne de commande pour les furieux qui s'appelle Time Warrior. Et en fait, l'idée, c'est de tracer les différentes tâches qu'on fait, surtout le temps qu'elles prennent. Et donc, j'avais montré qu'il y avait un outil en ligne de commande qui permettait de faire ça vraiment bien. Qui permettait d'avoir un récapitulatif avec la durée totale, avec le début, la fin. Et où on pouvait même, je sais pas si j'ai fait une capture d'écran, fait une capture d'écran, où à la fin, voilà, on pouvait avoir ce genre de visuel qui permettait d'avoir un récapitulatif de comment ça fonctionne. Et justement, dans cet article-là, j'évoquais Trago, qui est une... qui est une version auto, enfin, qui est un équivalent auto-hébergeable d'un outil en ligne qui s'appelle Toggle. Précisément Toggle Track, pardon. Du coup, voilà, la semaine prochaine, je pensais me pencher sur Trago. Et avec un logo, voilà. On se demande pourquoi il a ce logo, enfin,
petit indice sur le langage qui est utilisé pour le développement de l'outil. Et donc, visuellement, voilà, ça permet de créer des tâches avec des timers pour dire j'ai démarré à telle date, j'ai arrêté, voilà. Et on peut labelliser toutes les tâches et ça permet après d'avoir des rapports sur, sur le truc. Donc voilà, je voulais regarder pour héberger ça au cas où. Les petites statistiques sur le type de tâches qu'on fait. Alors quand on. Quand, alors maintenant que j'ai changé de boulot, c'est plus calme, mais avec le boulot que je faisais avant, parfois il arrivait que je passe une quantité de. Enfin, que je switch dans une même journée sur une quantité de tâches assez musclées, on va dire. Genre, le record, c'était entre 8h et midi, j'avais 14 chronos. Ça, c'est le record absolu. C'est-à-dire que dans la matinée, j'avais répondu à 14 sujets différents, j'avais tenté de faire des choses en 4 heures. Pour vous dire que à midi, j'étais cramé. Hein. C'était terrible. Et c'est en ayant Time Warrior que ça m'a permis de le voir, en fait, de le noter et de le montrer. Et tirer la sonnette d'alarme pour dire arrêtez de venir me chercher toutes les deux minutes, formez-vous ou trouvez des gars compétents, je sais pas, ou. Mais à un moment donné, je vais plus pouvoir dire oui aux questions, aux demandes d'aide de tous les côtés, quoi. Donc, ouais, voilà, ça peut être intéressant. Et a priori, il est pas compliqué à héberger, donc. On regardera ça. On pourra regarder ça, voilà. Ça, c'est ce que j'avais en tête pour la semaine prochaine. À voir. À voir, à voir. J'avoue que le. J'ai quand même été un peu là. Ça m'a un peu secoué le fait de mettre autant de temps sur le. Build d'image, mais je suis content d'être arrivé au bout. Du coup, paf, changement de fenêtre, voilà. Allez hop, on va repasser sur la webcam vite fait. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller m'écrouler. Je pense que ce soir, non, je vais pas me remettre sur. J'ai enfin démarré Shadow of the Tomb Raider. Je l'ai. Que j'avais acheté en 2020, je m'en souvenais même pas. En fait, c'était en mars 2020, donc c'était au tout début du confinement. J'ai dû faire ça à l'occasion d'une promo complètement à l'arrache. Et j'ai tenté de le racheter un an après, je me souvenais même pas qu'il était déjà dans la bibliothèque. À l'occasion d'une autre promo Steam. Et là, je me suis enfin décidé, je l'ai lancé là en début de la semaine, donc je passe une à deux heures par soir dessus. Mais là, je vais aller m'écrouler et puis ce sera bien. J'adore l'eau. Un jour, il n'y en aura plus. Vous avez la référence. Comment. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. Comme d'habitude, replay. Alors, j'ai remarqué que le plus intelligent au niveau de Twitch, c'était quand même de dégommer tout de suite la version originale de la vidéo et de poster directement le temps fort. Derrière, je posterai sur YouTube aussi. J'ai toujours pas bossé le week-end dernier. Au final, j'ai eu la flemme. J'ai pas avancé sur mes miniatures. Faut vraiment que je m'y colle, ça me saoule. C'est chiant possible. Et pourtant, j'ai le gros du cadre est déjà fait, mais donc ça devrait plus prendre 500 ans, mais c'est. C'est pas sexy, hein, comme boulot. C'est vraiment pas sexy. Bon, voilà. Allez. Donc, normalement, ce week-end, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu le voir en direct, vous aurez tout le loisir de voir soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et sur ce, bonne fin de soirée. À plus tard sur les internets. Je vais y arriver, je vais trouver. Oui. Ciao, ciao.